Vous êtes casse-couille. Hein. Vous êtes vraiment casse-couille. Je coupe la musique. Voilà, vous êtes casse-couille, Orkis, Folan et compagnie. Je sais que vous êtes tous en vocal en plus sur le Discord. T'as le fond vert, mais j'ai essayé de faire un truc plus tard, mais j'en ai marre de ces trucs de fond vert. On s'en fout de ton Rocket League. Ouais, vous avez vu le best-of. du coup, on va partir dans l'espace. On va pas jouer à Rocket League, on va pas jouer à Minecraft. Hein, voilà. Oh, Zach Tribe, comment ça va, copain? Le son. Qu'est-ce qu'il y a, le son? Il va trop fort, le son? Voilà. Oh, Zach Tribe, comment bah ça... Vous l'avez entendu, ça va très bien? Ah, c'est bon, oui. C'est toi qui avais peut-être pas allumé le son. Putain, le fond vert, vous voyez, je bouge même pas. Il me fait chier, comme tous les jours, de toute façon. Je vais partir en petit, comme ça se verra moins. Non, là, par contre, c'est un peu flou. C'est un peu chiant, en fait. Ouais. Je sais pas quoi faire. Je vais le niquer, en vrai. Voilà, il est parti. Voilà, j'ai rien fait de spécial. On va lancer No Man's Sky. On va partir dans l'espace. On va partir explorer un petit peu les profondeurs de l'univers. Parce que j'aime ça. Voilà, j'aime. Je vais faire attention à ce que je dis parce que je sais que dès que c'est un peu à double sens, je suis clippé. J'aime explorer des profondeurs. Je peux pas faire autrement. On va jouer. Voilà, j'ai 12 heures de jeu. Donc sachez que là je suis en mode exploration. Tu le repasses. Merci beaucoup mon Isaac Tribe. J'ai baissé le son du jeu un petit peu peut-être parce qu'il risque d'être un peu fort. Attendez, hop. Voilà. Et là on est bon. Nique le fond vert. Voilà, c'est bon. Résumé. Je vais vous résumer un petit peu où est-ce qu'on en est. J'ai résolu pas mal de quêtes. Les arts rouges. Parce que j'aime explorer les trous noirs. Oh, j'aurais pas dit mieux. Attendez, je vais vous afficher le jeu. En fait, j'ai eu un bug de capture de jeu l'autre jour, hier. Et ça m'empêchait de vous montrer le jeu. Et là, il s'affiche pas. Voilà. Mais du coup, le fond vert, je sais pas quoi faire. Voilà, c'est mieux. J'espère qu'il se montrera pas souvent. Un clip. On peut mettre les liens? Ouais. Tu peux mettre les liens. T'as que 12 heures de jeu, merde, je t'imaginais plus souvent dessus que moi. Non, j'ai fait quelques heures dessus le mercredi. Il me semble avoir fait plus, mais j'ai fait 4 streams de 3 heures. Ouais, donc en fait, c'est exactement 12 heures de jeu. Et là, on va remonter un petit peu le nombre d'heures. On va faire 2 petites heures dessus, là, en attendant de laisser la place à Metaloman, que tu connais bien, toi, Zach Tribe, du coup, pour du Minecraft. Que je ne sais pas si tu connais, du coup. Le jeu lag. Oui, ça, c'est normal. C'est le chargement du jeu. Ça lag tout le temps. C'est de la merde. Comment ça va, le lézard rouge? Depuis hier, t'es reposé? Et trop là, t'es là, mais... À la seconde où j'ai lancé le stream. Comment tu fais? T'es connecté H24 dessus? J'ai regardé tes clips. Et j'ai vu tes MP aussi. Tous tes MP, tous tes clips. Putain. En fait, dès que je bouge, j'ai plus bougé, je vais rester comme ça. En fait, avant, mon fond vert, il allait bien. Pardon, j'ai bougé. Parce que les lumières venaient de dessus, là où j'étais avant. Là, elles sont sur les côtés et... Et ça bug. Ça devrait pas bugger. Pas rentrer trop tard, on est parti 5 minutes après toi, Lézard. Quand t'as envoyé un message, rentrer, on était devant la maison. C'est quand le best-of sur One Lifer TV? Alors, faut savoir que je suis en train de préparer tout ça. Sachant que j'ai beaucoup de boulot. Et que peu de monde s'est présenté pour faire le montage vidéo. Donc, il va arriver, c'est sûr. J'ai vraiment de quoi faire, là. Un bon best-of de 10 minutes, bien teubé comme il faut. Bien mon golo. Par rapport au live d'hier. Mais, je vais enlever le fond vert. Attendez, je vais bouger la cam, tant pis. Je vais enlever le fond vert. Là, il déconne un peu trop. Je vais refaire un petit peu... attendez. Filtre. J'enlève l'incrustation. Tant pis. Hop. Fermé. Je vais enlever le fond vert. Je vais le désinstaller, là. Et du coup, je vais me réduire un petit peu. Voilà, ça devrait être suffisant. Attendez, je vais enlever le fond vert.
Voilà. Voilà. Tant pis. Tant pis. On a perdu la qualité du fond vert. Mais c'est pas bien grave. Ça me fait un peu chier quand même, mais bon. Hop, hop. Attendez, je réaffiche tout. Et puis on est parti pour l'exploration, hein, comme on aime, comme prévu. Hop, je bougeais ça un petit peu. Nickel. Heureusement que j'ai les mangas pour habiller le fond. Tu le repasses. Non, mais là, c'est carrément un problème de lumière. Le jeu qui charge pendant 1000 ans. Oui, non, mais clairement, c'est chiant. J'étais très étonné la première fois que j'ai lancé le stream dessus. Vic l'ingénieur. Repasse le fond, repasse. Salut Salt, je t'ai pas vu. Tu en as beaucoup à cause de toi. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup de clips à cause de toi. Voyez l'impressionnante bibliothèque de cul de Vic. Non, ouais, en vrai, ouais, j'ai une belle petite bibliothèque de manga. Tout ça là. J'ai un autre fond vert, c'est lui en fait qui va être le prochain fond vert, le vrai. Pas cette merde qui est là-bas, là. C'est celui-là. Et il va être accroché au plafond avec un écran de vidéoprojecteur et compagnie. Et du coup, je serai bien. Voilà, on a réussi à combler. Hop. On a réussi à combler. Je risque d'être offline pendant un moment à partir de 1er décembre, nouvel an. À part sans fil. Oh, d'accord, ok. Ah, c'est dommage. Où est-ce qu'on en était? Attendez, il faut. Oui, touche américaine à chaque fois, ça me pète les couilles. Alors, on va aller dans ma cabane, tout à fait moche. L'entrée, elle est là. Et puis, on va faire un point. On va faire un bilan qui se remémorant tous les instants déjà passés dans le jeu. Un autre clip. Que salut, c'est Karou! Vic, cheveux détachés et longue barbe, Gandalf. Non, c'est mon père. C'est mon père, gars. Alors. Analyseur de plans. Est-ce que j'ai des plans déjà? Je sais pas du tout. Recherche de plans. On va chercher. Je fais jamais ça. Point de sauvegarde. Panneau, fenêtre. On peut apprendre ça? Module de récupération. Comment ça marche? Ouais, j'ai pas de module de récupération en fait. Et en fait, j'ai envie de dire qu'on s'en bat les couilles. Alors, on a fait des découvertes. On a découvert pas mal de planètes. D'ailleurs, il me semblait que c'était un peu plus jeune que ça, surtout au début. Et merci, Blueberries232 pour le follow. Il maltraite ses fonds verts. Ouais, je les maltraite. Salut, bienvenue, n'hésite pas à faire un petit coucou. Je profite de mon dimanche pour regarder le Viking streamer. Oh, tu m'envoies du rêve. J'aime que tu me regardes. Ouais, Kingdom Size. Nous sommes là. Le dernier système à découvert, c'était Kingdom Size. J'avais découvert pas mal de trucs. Et je les retrouve pas. Qu'est-ce que c'est que ce problème-là? J'avais renommé plein de planètes. Vic 1, Vic 2, Vic 3. Ah non, il y a 3 pages. Ah oui, non, mais voilà, on était là en fait. Voilà, Vic 1, Vic 2, Vic 3, Roploplo World. On se demande qui m'a demandé de le renommer comme ça. Hein. Que dalle, parce qu'on n'avait pas d'idée. Ça, on m'avait demandé un nom, mais je ne l'ai pas renommé, parce que j'ai oublié, j'ai misclic. Et donc, du coup, étape clé, on devait voir avec eux pour passer niveau 5, il me semble, prochain niveau dans 4. Voilà, il fallait que ça aille au 5 pour gagner des trucs, je sais plus quoi. Et c'est très, très important pour moi. Ici, nous avons quelques petits objets de type physique, donc de la mordite, c'est quand on tue des animaux. Nous avons de la mordite, voilà tout simplement. On récupère les cadavres. C'est quoi le jeu? Je connais pas. Là, c'est Planet Minecraft World. Non, non, non. C'est No Man's Sky, c'est un jeu d'exploration spatiale, tout simplement. C'est un bon petit jeu, bien sympathique, qui a été pas mal critiqué à sa sortie, mais qui, à mon avis, est revenu bien, bien au niveau. Voilà, ça c'est mon cargo. Ouais, pardon. Il faut que je m'y remette, hein. Ça fait 3 semaines que j'ai pas touché à ça. Mon cargo, donc les viewers en général sont assez dégoûtés parce que c'est un cargo qu'on offre quasiment au début du jeu. Et bah, la classe, c'est quasiment un des meilleurs. Il y en a qui se retrouvent avec des cargos de classe nulle à chier. Et du coup, bah tant pis pour eux. Moi j'en ai eu un bon. Maintenant, il faudrait que j'aille. Pourquoi je suis venu ici? Je voulais faire. Je voulais voir ça en fait. Voilà, mais je vais essayer d'aller dans le vaisseau. C'est mon. Vous voyez bien avec la nuit, ouais.
C'est ma future base. Je vais monter. Hop, c'est ma future base. Moche, totalement moche. Mais j'aime bien la planète, elle était cool. Il faudrait que j'ai des trucs pour faire un toit, quelque part. C'est quoi ça déjà? Le truc c'est en dessous? C'est ceci, la raffinerie portative. Ok, on va la laisser là. Pour la Saint-Valentin, tu joues au jeu le plus drôle de tous les temps. Ah. Et c'est quoi le jeu le plus drôle de tous les temps selon Troll? Mon vaisseau, on va prendre le vaisseau et puis on... Hop. On va continuer à explorer la point de restauration. Mais je voulais pas enregistrer, moi je voulais dans le vaisseau. Je me suis fait kick de mon vaisseau. Est-ce que je peux partir? Yes. On va aller dans une station spatiale qui va permettre de me téléporter au système solaire le dernier. Consulter. Et grâce à ceci, nous pourrons visiter un nouveau système solaire et ensemble on va visiter de nouvelles planètes. B. On va surtout profiter pour faire ce genre de choses. Découverte. Est-ce que... Parce que je connais pas encore bien le jeu. Hein. Certains, à chaque fois, on me donne plein de conseils, c'est cool. On va repartir ici. Voilà. Dans ce système-là. L'Etachille Omega. De toute façon, je vais l'oublier dans quelques secondes. Hein. Je me connais. Où est-ce qu'il est, le truc? Là-bas. C'est ça, la station spatiale. Station spatiale. Il me faut... pas longtemps pour y aller. 8 minutes, d'accord. Et on va pouvoir aller un peu plus vite. Ça lag le stream. Quand je suis dans l'espace, toujours un petit peu, j'essaye de... Salut Mackenzie. Comment ça va depuis hier? Est-ce que ça lag là? Normalement c'est un peu pixelisé, mais ça lag pas du tout. Dites-moi. J'essaie de régler au mieux pour que ça fonctionne bien. Hop, nous allons dans la station spatiale, nous téléporter. Voilà, nous y arrivons. Donc les stations spatiales, vous pouvez en trouver dans tous les systèmes solaires, c'est toujours la même chose. Vous pouvez discuter avec des autochtones, leur apprendre des... Enfin, qui vous apprennent des mots et compagnie. J'ai pas discuté avec ceux de ce système-là. Donc on va aller leur parler un petit peu. C'est les pixels et les lags. Là, parce que moi j'ai le retour du live là. J'ai le 3 fois le jeu vidéo en fait. J'ai OBS, j'ai le Twitch et le jeu et rien de lag chez moi. C'est peut-être chez toi. Alors. Est-ce qu'il y a du monde ici? Genre, il n'y a personne. Il y a genre personne là. Bon, il y a des commerçants. Est-ce que c'est de l'autre côté du coup? Ouais, et vous avez la porte des étoiles qui est de l'autre côté. Ça fait longtemps que je visite à Shadowman Sky. Peut-être le stream me motivera. Je te le conseille. Honnêtement, je te le conseille. Je l'aurais pas conseillé il y a encore 3 mois. Là, il arrive, il fait... Ok, je m'en fous, je veux essayer de prendre l'unité. De quoi? Un appareil, je suis pas sûr de ce qui est affiché, mais je reconnais le symbole d'unité à côté d'un grand nombre. On essaie de prendre les unités. Il s'illumine, je ne reçois aucune unité. Il me semble ravi, ok. Je vais essayer de leur parler parce qu'en fait, on peut apprendre des mots. Demander de l'aide avec le dialecte pour 10 unités. On va dépenser de thunes et on va apprendre des mots. Ce qui me permet de monter de niveau dans certaines langues. Vous avez appris le mot premier. Ok, un peu bizarre le mec. Est-ce que je peux encore lui parler? Est-ce qu'il peut m'apprendre autre chose? Il y a des petits sauts, mais rien de bien terrible. Ouais, je suis désolé, je vois pas trop quoi faire en fait. Il me faudrait... Non, allez. On va partir. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la qualité, elle me semble plutôt bonne. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais... Siffloter, agiter les mains de façon dramatique. Alors, il me considère à peine... oui, je sais, coupé à moitié, je sais. Autre chose, il balance doucement, on va siffloter. Est-ce que ça... Il suit mes mouvements, s'extasiant devant un compagnon musical. Nickel. Nickel. Donc du coup, je l'ai pas énervé. C'est déjà une très bonne chose. Oh, t'as clippé ça, quoi. On va s'incliner, je sais pas pourquoi. Moi je vais apprendre des mots. Non mais vous savez quoi, on s'en bat les couilles, on change, hop. Est-ce que je vais retrouver exactement l'endroit où je voulais aller? Donc là on est dans le système actuel. Automae, c'est celle-là. C'est la dernière que j'ai visitée. Là ça devrait pixeliser un petit peu. Hein.
Ouais, c'est drôle. Gérer le clip, là c'est moi qui le fais, donc je vais pas dire ouais, je suis très drôle, tu vois. Bon, Blueberry, t'es là, je t'ai pas vu. Donc là, Mackenzie Grande. Le placement de produit, c'est pas bien. No Man's Sky, il est cool parce que tu peux faire pas mal de choses, en fait, tout visiter. Est-ce que je vais pouvoir changer de... Attendez, comment on fait déjà? Non, c'est pas là. Je vais aller dans le vaisseau et on va voir si je peux changer le système solaire. En fait, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et tu peux jouer un petit peu comme tu veux, visiter, construire tes bases. T'es payé combien? Pas assez. J'ai déjà plein de présidents de One Lifer. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour changer de système solaire? Déjà, on n'a pas de carburant. Qu'est-ce qu'il faut? Décollage. Ouais, ça c'est pas grave. Pulseur réacteur. Hyper propulsion. Donc il me faut des cellules de distorsion. On va aller voir un petit peu pour changer de système solaire et essayer de découvrir d'autres planètes. Mais déjà, est-ce que j'ai visité toutes les planètes? Vous avez découvert ceci? Ça m'étonnerait que j'ai tout découvert. Non découvert. Bon, déjà, on va aller là-dessus. C'est une petite lune. Ça va rien m'apporter, mais... Ouais, contact One Lifer, surtout le président, c'est un gros connard. Le mec, il se la pète en plus. Je travaillerai plus jamais avec le président de One Lifer. Jamais. Allez, on en a pour une minute pour y arriver. On va au moins visiter ça, vous allez voir découvrir avec moi une nouvelle planète. C'est toi le président. Oui. On va découvrir la nouvelle planète. Ouais, ça pixelise un petit peu là, j'avoue que... Et ensuite, on va aller découvrir un nouveau système solaire. On va se rapprocher de l'Atlas, puisque c'est notre objectif final. Et après, il y a des très belles planètes à découvrir. On peut découvrir pas mal d'espèces dessus. On peut découvrir pas mal d'espèces animales, végétales. On peut découvrir des reliques, des ruines. Donc c'est assez intéressant de voir que les planètes qui sont générées aléatoirement hein, par l'intelligence artificielle, par le jeu... c'est assez intéressant à voir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 18 trillions de planètes. Et pour ceux qui connaissent pas bien le jeu, regardez bien. Vous voyez ça ici, là, les points jaunes, ça veut dire que c'est moi qui ai envoyé les planètes sur le serveur. C'est moi qui les ai découvertes. Personne d'autre avant moi ne les avait découvertes. Sachant qu'on est tous en même temps sur le même... dans le même univers, qu'on est tous sur le même serveur, quasiment. Bah non, on y est tous. Et c'est pareil, après, sur les planètes... On peut découvrir des espèces animales, végétales. Donc là, vous voyez, je les envoie même sur le serveur. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait ici, là, des points rouges. C'est, vous voyez, ça a été découvert par Red Guru Méditation. Un clip. Pourquoi un clip? Lui, t'aimes pas le président. Oh, putain. T'es le pire. Et cette planète-là, elle n'a jamais été découverte par un joueur. Je vais être le premier au monde à mettre les pieds dessus. Ce qui est triste, parce que ça, c'est un truc que j'aimerais faire en vrai. Et je suis obligé de jouer à un jeu vidéo pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est sur Discord. Oh, le bâtard. Le pire, c'est qu'ils sont tous en vocal, là. Orkis, Tumerion, Mito... je sais pas qui d'autre... Fabolan, Diels... Donc ils vont voir ton clip. Alors, faut espérer que la planète soit pas... hostile. Voilà, elle est pas belle, franchement elle est pas belle. C'est tant petit le jeu, ouais clairement, c'est un petit. Tiens, j'ai rebondi ton sol, vitesse trop élevée. Y'a vraiment rien ici. Est-ce que, en fait je sais jamais si c'était pas chargé, vous voyez si les aimants vont arriver. Ou si en fait y'a vraiment rien, je suis en train de me poser pour rien. Ça va leur donner des mauvaises idées. Donc là vous voyez... J'ai découvert la planète, donc je passe. Et je vais vous laisser me donner des idées de noms pour la planète. On va aller voir ça. Découverte. Donc là, c'est une nouvelle planète. Et 13. J'attends de vous un nom. Donc là, il y a visiblement une dizaine de personnes sur le stream. Je veux que vous donniez des noms de planètes. Ton micro coupe par moment. Bah, je pense que c'est à cause du jeu. Salut Dédé! Comment ça va? Roploplo 2. Bah là, il y a Roploplo World. Je garde Roploplo 2. Est-ce que vous avez d'autres idées de noms?
Ah, t'as vu Dédé, j'ai relevé le fond vert là, il me casse les couilles. Trop de bugs, je vais essayer de mieux le gérer. Bon bah Roploplo, hein, c'est parti. On va renommer ça Roploplo 2. On accepte. Voilà, ça va être Roploplo 2, elle est envoyée sur le serveur. Un jeu vidéo. Et là, du coup, on va pouvoir regarder un petit peu tous les rochers, les scanner pour les découvrir, pour être le premier à les découvrir et les envoyer sur le serveur. Ensuite, j'ai bougé. Vaginarius 1. Bah ça, ce sera pour le prochain. Rappelle-le-moi parce que je vais oublier. Là, il y a les robots là qui me regardent, mais je n'ai rien fait. Je ne fais rien de mal. Je clique tout. Il y a des récompenses en plus, comme je te disais hier, pour les gens qui font des clips qui sont très vus. Il n'y a rien à travers. Est-ce qu'il y a des espèces? Étape de voyage atteint. Je suis sûr qu'en fait c'est de la merde ce truc qui repasse. Hop. On va scanner. Il y a un truc là-bas, c'est quoi? Dépôt de cuivre. Le cuivre, ça reste assez rare. Big boobs. Pourquoi pas? Boobiland. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas d'animaux. Et du coup, scannons un petit peu. Donc le dépôt de cuivre. Il y a ça ici. Il y a vraiment... Ah, ça à la limite. On va aller chercher ça. Putain, je vais haut là. J'ai plus haut que d'habitude. On va prendre ça parce que mon truc de survie, il a besoin... Système de survie de l'oxygène. Voilà. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a besoin de recharger aussi? Ceci, le rayon d'extraction. Je fais pas assez attention à tout ça, je pense. Ça c'est bon, totalement chargé. Sans multi, oui, sans multi. C'est combien de vues? Je sais plus, je crois que c'est 200. Demande à Mipoto. Mipoto, il doit être là ou il doit être en train de jouer à Dauntless. Pourquoi je peux plus. Et mon jetpack? Ah oui. Okay, hop. Il doit être en train de jouer à Dauntless, mais lui il le sait, c'était son objectif il y a pas si longtemps que ça. Salter, montée platine. Ah bah toutes les... C'est quoi ça? Il y a rien à découvrir. Cristaux de carbone. On va prendre du carbone. Toujours pratique. Par contre, faire attention à pas trop... voilà, là il faut attendre, on fait rien du tout, sinon il va me casser les couilles. Ouais, GG, salt. Ah. C'est pas moi. C'est pas moi. Attendez, c'est pas identifié? De quoi? Et j'identifie, hein, je fais rien de mal. Hein. Je crois que je suis en train de m'énerver. Qu'est-ce que je dois identifier? Là, il me dit non identifié, il y a un truc. Ou alors je sais pas lire. Bon, moi je sais clairement pas lire, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a debout? Alors ici, là, il y a des trucs à voir, des animaux. Il y a vraiment rien. C'est une planète de merde, clairement. Bon, après, il y a peut-être des trucs un peu plus loin, mais bon. Hop. J'essaie de voir ce qu'il me faut pour changer système solaire. Déjà, ce serait bien. Donc, pour changer système solaire, il faut que vous le savez. J'ai pas de place pour le faire. Ben, je suis dans l'espace aussi. On va peut-être se croiser. Non, mais t'es fou, c'est immense. T'es dans l'espace, t'es... Ouais, mais pas sur No Man's Sky, t'hésitais à le prendre tout à l'heure. Du chlore, est-ce qu'on a besoin? J'ai jeté des trucs, là, clairement, parce que... Il y a des trucs dont je me fous. Je vais jeter ça. Il me faut de la place. La mordite, je m'en fous aussi. Il y a des espèces qui me demandent de la mordite. Donc, il me faut une cellule de distorsion. Pour faire une cellule de distorsion, il me faut de l'antimatière ici et un contenant d'antimatière. Donc là, il me faut de la poussière de ferrite. La poussière de ferrite, en général... c'est des cailloux de merde, voilà, vous voyez. On détruit des cailloux, on a de la poussière de ferrite. Hop. Surchauffe, on va attendre un petit peu. Et là, on aura assez de poussière de ferrite, à mon humble avis. J'ai chopé du carbone aussi, on va dégager, puisque je voulais la place. Pour faire un contenant d'antimatière. Ensuite, il nous faut de l'antimatière pour faire une cellule de distorsion. Pour faire de l'antimatière, il me faut du métal chromatique. Pour faire du métal chromatique, il faut la raffinerie portative et du métal. Si j'ai pas de conneries. Donc là, j'ai du cuivre.
Je sais pas si ça peut fonctionner, je sais plus exactement. Attendez, on va aller voir dans le... Dans le guide. Ok, à tout de suite, troll. Matière première pour faire du métal chromatique. Est-ce que vous le voyez? Non, je le vois pas. Peut-être la prochaine page? Non. Produit fabriqué alors du coup. Ça doit être là. Pas du tout. Si? Non? Quoi? Pourquoi? Hein? Parce que là, il me faut quoi? De l'antimatière? Est-ce que... Le métal chromatique est créé dans une raffinerie, exactement, à partir de métaux stellaires. Le cuivre, le cadmium et les méryls. Donc, pour faire la raffinerie portative, tu l'as dès le début en fait. Regarde, il faut que je le retrouve. C'est pas là, c'est ici. Tu peux la poser où tu veux. Faut juste pas oublier de l'enlever après l'avoir utilisée, sinon tu dois reconstruire une et la remettre pour plus tard. Est-ce que mon micro bug encore? Qu'est-ce qu'il me l'avait dit? J'ai dit à Spock de regarder les clips. J'avais pas vu tout ça. Je rate des trucs. En même temps, vous êtes chaud, vous parlez, c'est cool. Ah bah dis donc, t'as fait vite, hein. Je reviens dans 10 secondes. Allez hop, on va mettre du cuivre ici. On a du carburant, on a du carbone condensé. Et on va commencer. Voilà, j'ai un peu mongolisé. C'est un peu difficile au début de tout comprendre. Une minute. Allez, on va prendre ça. Le dihydrogène. Il est trop loin le vaisseau. J'aimerais bien choper les vaisseaux. En fait, les vaisseaux, je les vois que quand je suis à terre, en fait. Quand je suis dans l'espace. Enfin, dans le ciel, en fait. Autour. Je les vois jamais. Non, c'est good. Ok. Moi, ouais, je pense que c'est les drivers de la carte son qui déconnent. Je sais pas pourquoi, mais... Par contre, j'ai pris toute la poussière de ferrite. Hop. Donc, je vais reprendre un petit peu. C'est quoi ces trucs rouges, là? Il y a rien du tout. J'ai monté, essayer d'aller un peu en hauteur. Oula. Nous avons terre. Est-ce qu'il y a des trucs là, ici? Voilà, on va le scanner. Il y a juste pas un truc à manger, d'accord. Bonne app. On va scanner tout, au moins ça nous fera des trucs à envoyer. Oh, c'est bon tout ça. Ouais. J'aime bien le cratère, ça sert à rien mais j'aime bien. Il y a vraiment rien d'autre? Il y a vraiment rien. Il y a un dépôt de cuivre juste là. Il y a de l'hydrogène. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai été blessé comme ça? Est-ce qu'il fait mal? Non. Tiens, bah, si c'est pas toi, tant pis, je te pèse. Je te casse la tête. Alors, ma raffinerie est là. Normalement. On a tout ce qu'il faut. On a le métal chromatique. Est-ce que j'en ai assez? On va le mettre dans l'exocombinaison. Nous allons voir ceci immédiatement. Tu rases les rochers. C'est pas grave. On a l'antimatière. Maintenant, on va pouvoir faire. Vous l'aviez sûrement deviné. La cellule de distorsion. Et je me demande, est-ce que je ferais pas tout de suite une deuxième cellule de distorsion pour pas perdre de temps? Parce que pour ça, il me faut un contenant d'antimatière. Il me faut de l'antimatière et du carbone condensé. Carbone condensé, j'ai du carbone là. Est-ce que c'est dans la raffinerie? Attendez, est-ce que j'ai du carbone? J'ai 6 carbone condensé. Est-ce qu'il est carbone? Est-ce que j'en ai? J'ai pas de carbone. Ok. Bah, vous savez quoi? Voilà. On va la récupérer. Comme ça, on se fait pas chier. Et là, maintenant. Normalement, je vais prendre ça. Ah, j'ai du carbone. En fait, il est là le carbone, ok. Ça marche pas. Est-ce qu'il monte le carbone? Non, 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 non. Il y a du cuivre là-bas, mais on s'en fout un petit peu. H, on va aller au vaisseau. Et partir. Tout simplement. Et on va découvrir un nouveau système. Hop. Est-ce que déjà je peux décoller? Parce qu'il faut que je fasse gaffe. Carburant insuffisant, propulseur de décollage. Voilà, donc on va se casser le cul. Propulseur de décollage. Déjà, attendez, je vais mettre du tritium. Hop, voilà, donc ça c'est ce qui me permet de voyager plus rapidement dans l'espace. Il me faut du carburant pour vaisseau. On va faire du carburant pour vaisseau. Donc pour faire du carburant pour vaisseau, il nous faut plaque métallique. Pour faire une plaque métallique, il nous faut que de la poussière de ferrite. Donc ça va, en vrai ça va. Attendez, hop, j'ai bugué.
Tu peux tuer les autres joueurs? Je sais pas. Je crois qu'on peut détruire les vaisseaux. Oui. C'est pas moi. Salut. Tant pis. Eux, faut faire gaffe parce qu'ils vont attaquer après. Mais je le détruirai bien avant de partir. Merde. Est-ce que je l'attaque? Non, on va pas faire ça. Allez, casse-toi, casse-toi. J'ai juste eu de l'hydrogène là. Casse le robot. Attendez, je vais prendre ma poussière de ferrite. Bon, ça c'est mon vaisseau, casse-toi de mon vaisseau. Votre vaisseau, oui c'est mon vaisseau. En attendant qu'il se casse, on va voir les découvertes, vous allez voir. Donc là je suis là, on n'a pas de découverte de faune, pas de flore. Ah non mais du coup non, c'est on n'a rien eu, il n'y a pas de plantes ni d'oiseaux, enfin ni d'animaux. Vas-y je le casse, il me fait chier. Il y a peut-être un cratère là, une grotte, il y a peut-être des trucs cool là, hein. J'ai pas fait gaffe. Là ça là, voilà. Donc il y a peut-être des plantes, et potentiellement dangereuses. Il va niquer ton vaisseau, non non il va rien faire, il m'attaque moi. Voilà une découverte, est-ce qu'il y a des autres trucs à découvrir? Ça voilà, enfin on va découvrir des trucs intéressants. Bon, il n'y a pas d'animaux, mais c'est pas bien grave. Donc là, concrètement, ça sert à rien ce que je fais. Pour moi, ça sert à rien. Pour mon aventure, c'est totalement inutile. Mais ça nous fait gagner de la thune, en fait, de découvrir des trucs et de les envoyer sur le serveur. Donc, je vais le faire. Ça, c'est bon. Les lianes, tout ça, c'est bon. On va avancer un petit peu, il y a peut-être des trucs cool. Il y a souvent des trucs qui attaquent. Des plantes qui vont t'attaquer, il faut faire gaffe. Tout ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. Ça c'est quoi là? C'est bon. Il n'y a rien de bien foufou. Système de survie 50%. Ça me convient. C'est quand même beau, ça là, c'est des stalagmites. Faut savoir que tout ça c'est généré aléatoirement. C'est pas les développeurs qui se sont dit on va mettre des plantes ici et tout. Donc c'est vachement cool. C'est beau. C'est beau. Et là du coup vous allez voir, pour ceux qui voulaient le voir tout à l'heure, j'ai découvert des espèces végétales. Et là du coup je peux les renommer, mais je vais pas le faire parce que bon, on s'en fout un petit peu. Et les envoyer, non pardon, hop, directement. Voilà, et ça nous fait gagner un peu de thunes. J'ai eu 6 amas de nanites, donc c'est la monnaie du jeu. Hein. Je prends. Par contre j'ai perdu la sortie, elle est là-bas. Je suis pas sûr de pouvoir voler assez haut. Qu'est-ce qui se passe? On va aller là-bas. Non, c'est bon, c'est bon. Hop. Putain, par contre, je crois que c'est la gravité ou c'est parce que j'ai un nouveau jetpack? Python mythe monte. Exactement. C'est ce que j'ai toujours. Les stalagmites, ça monte. Et les stalactites, ça tombe. Arme déchargée. On va recharger un petit peu l'arme. Hop, hop. Et puis, c'est la poussière de ferrite. On va se faire un deuxième, une deuxième cellule de distorsion. Et après, vous allez voir. Restez ici, on va explorer un tout nouveau système solaire. Tout ça, là. Bah, bah, bah. Est-ce que j'ai assez? Il me fallait... j'ai de l'antimatière, déjà? Il me semblait avoir fait de l'antimatière. J'ai une cellule de distorsion. J'ai pas d'antimatière. Non, c'est ça qu'il me faut. Plaquage métallique. Voilà. Donc avec ça, je vais pouvoir... le problème c'est que j'ai plus de place, je vais le faire ici, faire... voilà, carburant de décollage, qui va me permettre de décoller. D'où le nom, quelque part. J'ai un contenant d'antimatière ici, il me refaut de l'antimatière, du carbone condensé, mais je vais pas le faire, je le ferai plus tard, tant pis. Là, on va pouvoir décoller et changer de système solaire. Voilà, là on va se faire plaisir. Il faut que je le recharge, évidemment. Opteur décollage. C'est y part. Go l'espace. Regardez-moi ce décor, là.
Je sais pas si on peut aller dans les soleils. J'ai jamais fait gaffe à ce genre de truc. Là, il y a pas mal d'astéroïdes. On peut farm pour du tritium, ce qui me permettra de d'aller vite, tout simplement. Vous voyez le tritium là? Ah, faut que je fasse gaffe parce que je me prends tout le temps des astéroïdes. Hop, de l'argent aussi. Et je vais voir si sur la carte, je sais plus exactement comment ça fonctionne. Si je peux voir le nombre de planètes que j'aurais pas découvert. J'ai découvert toutes les planètes du système solaire. Donc du coup, maintenant, ma destination, aller voir le panneau de mission. Ah oui, il faut déjà aller voir le vaisseau amiral. Je vais l'appeler après. Le panneau de mission, début du voyage. Il me faut... Voilà, je vais me diriger vers la station Atlas. Je ne sais pas encore ce que c'est une de mes quêtes. Là, je suis ici. Je vais me rapprocher. Générateur de cadmium. J'ai pas fait ça. Je sais pas encore comment on fait. Et là, distorsion. En fait, je peux y aller. Je peux aller à la station directement. C'est la première fois que je vais pouvoir y aller. Et là, ça va laguer, c'est normal. C'est la première fois que je vais pouvoir y aller. Donc ça fait grave, grave plaisir. Bon, les gens qui me suivent, question avec ou sans fond vert? Qu'est-ce que vous préférez? Les gens qui m'ont déjà vu, forcément, avec le fond vert. Interface Atlas. Ah, mais Lazare. Lazare, t'es là? Avec. Yes. Lazare, voilà la réponse à notre question d'hier. Mon fond vert. Mon fond d'écran, pardon. Pour mon téléphone. On se demandait pourquoi un triangle. Enfin, c'est pas un triangle, mais un double triangle. C'est ça, c'est l'Atlas. Donc du coup ici, nous avons une planète inconnue. 100. On peut mettre le fond vert sur toi et garder l'étagère derrière? L'enculé. Non mais dans ce cas-là, je mets juste une photo de mes étagères. Hein. Ouais, attends, tu sais quoi? Je me casse. Non. Alors. ça là, je sais pas si t'as vu entre-temps, si, après que je t'ai appelé, ce truc-là, c'est mon fond d'écran. On se posait la question hier, Lazare. On se disait, ouais, ça c'est No Man's Sky, mais pourquoi? Le v'là. En effet. Alors, nous avons une planète. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? On va faire un... Hop, on a fait un scan. Je crois qu'il n'y a qu'une seule planète ici. Là, ce qui est pas grave. Je vais tout de suite appeler mon cargo, parce que je vais en avoir besoin. Hop. Est-ce que je peux l'appeler? La distorsion de la frégate. Ah oui, ok. Hop. Oh putain, il y a des pirates. Ça va partir en bagarre. Je me casse. Parce que j'ai pas envie. Trop bien comme idée. T'es le pire troll. Ah, y a une petite musique. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Oui, ça s'ouvre. Ok, ça fait 13 heures de jeu que je me casse le cul à arriver là. Fight. Non. Non, je suis une petite pute. Je vais me cacher. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que j'avais une quête. Hein. Regardez. Il semble journal, celle parmi les étoiles, récupérer les graines d'Atlas. Je sais pas pourquoi. Trouver la prochaine interface de l'Atlas. Nada et Polo pourront peut-être vous aider. Donc là, j'y suis, concrètement. Je sais pas pourquoi, ta tête. J'assume. J'assume. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, sachant que la planète. Hop, on sort. La planète qui est juste à côté, je serai le premier à la découvrir aussi. Alors, nous arrivons de où? De derrière là-bas. Interface Atlas sur la planète. Là, il y a les fameux pirates, là, on les voit au fond, au loin. On va dire que je m'en bats les couilles. Hop. On va aller là. C'est quoi ça? Vous avez appris le mot de nez? D'accord. Je sais pas pourquoi j'apprends un mot comme ça random. C'est quoi ça? Je sais pas ce qui va se passer. Hein. Clairement là. Abstraction Tiverrem. Il y a des trucs incompréhensibles. Je vous lirai parce que c'est caché par la caméra là, je sais. Alors. No spoil.
Là, ça veut absolument rien dire. L'Atlas m'a fait venir à cette interface. Mais son objectif demeure obscur. Il exige l'adoration, l'obéissance. Il m'accueille, il sait que je suis... Il sait ce que je suis, pardon, je sais pas lire. Il m'offre la possibilité de comprendre la vérité. Mais pourquoi, un tel pouvoir, un tel désir, un tel savoir désire-t-il à ce point la soumission? Il sait ce que je pense avant même que cela vienne à l'esprit. Il sait ce que je vais faire. Le détruire. L'Atlas me demande de suivre sa voie. Alors là, Vic le lecteur, et toi t'es un écrivain, le lecteuf. je sais pas quoi faire. Clairement, je sais pas quoi faire. Parce que il demande ma soumission. Le problème, c'est que je suis venu ici, en fait. Ça me ferait chier d'avoir rien à faire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me disiez de faire? Dites-moi. Est-ce que j'accepte étape Pathfinder ou supérieur? Je sais pas ce que c'est. Vic le soumis. Casse-toi. Ouais, je suis un gros soumis, moi. Suis ton cœur. Le poète. La Kenzie, c'est un poète. Un grand poète. Donc là, on a... fais ce que tu veux, casse-toi, et t'es insoumis. Vic la pute soumise. Des fois, je ferais mieux de me taire. Pas de faire des best-of où je me détruis moi-même. Il te propose... Accepte. Ah, on a enfin une réponse. Le ciel insondable regorge de merveilles et la voie de l'illumination s'ouvre à moi. Nouvelle recette de produits apprise. Ah, j'aurais appris une recette. Une graine d'Atlas contenant un substrat quasi-stellaire localement décalé. Putain, elle est dure à dire cette phrase. Une graine d'Atlas contenant un substrat quasi-stellaire localement décalé. Attention, ne laissez pas la matrice s'associer à cet esprit dimensionnel. Je sais pas ce que c'est la nanote captif. On ira voir après. Santé au maximum. Ok. Vous êtes fort gentil. Mais quoi en fait, j'ai une nouvelle quête, le chemin de l'Atlas, seul parmi les étoiles, anomalie spatiale, monter à bord de l'anomalie spatiale, on va l'appeler après, la prochaine interface de l'Atlas. En fait c'est tout, c'était juste pour un truc. Oh la pute qui se souvient, oh là là, si jamais je prends le jeu, j'achète un dictionnaire avec. Ah c'est No Man's Sky LV2, prends l'option LV2 No Man's Sky, y'a quoi ici? Est-ce qu'il y a des trucs à explorer? C'est quoi ça? Il y a rien. J'essaie de voir ce qu'il y a, mais c'est tout. J'étais heureux de venir ici, juste pour ça. Vic en aurait besoin des fois. Mais arrête, je suis pas si nul que ça. Hein. Je fais le mariole, mais j'en ai dans le citron. On va encore apprendre un mot. Le mot détruire. Ah, qu'est-ce que je fous là? Il y a des trucs encore là-bas pour apprendre des mots. Ah, je croyais que c'était dur. On va apprendre plein de trucs en fait. Ok. Ça s'est coupé et j'ai rien appris. Bon, je sais pas pourquoi, mais on va y aller. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'il faut que je les éteigne tous? Non, je sais pas. Ça veut rien dire. Chemin de l'Atlas. Trouver la prochaine interface Atlas. Elle est juste en face là-bas. À mon avis, c'est rien du tout ces trucs. Je vais juste éteindre. Par contre, ça m'intrigue le grand triangle là-bas. Il y en a un autre? Merde. Hop. Non, bah allez, on se casse. Bon, écoutez, je suis arrivé là, j'ai Veni Vidi Vici. Je suis venu, j'ai vu, je suis déçu. Claude Vici, se dire déçu, en vrai. Vaisseau offensif, peu de danger, prime. Bon, écoutez, on va se péta. On va se péta. Là-bas. Attendez, j'ai du mal à contrôler mon truc là. 30 secondes. Bim, voilà. Et j'anticipe. Est-ce que ça marche? 12, 10, 9, 8. Allez, je tiens. Je vois les couilles. Voilà, je lui mets ses dégâts.
Je sais pas contrôler encore parfaitement les vaisseaux, c'est un peu dur, je vous avoue. Hop. Hyper pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de canons, je sais pas comment on fait pour changer si j'ai d'autres canons, d'autres trucs. Hop. Lui il a des lasers. Faudrait que je vois si je peux améliorer ces canons là, si je peux avoir d'autres armes. Normalement oui, pardon. Pourquoi x2? Parce que je sais pas du tout. Par contre il me fait mal. Okay. Vaisseau offensif éliminé. Ouais mais je vais aller sur la planète moi en fait. On se casse. Attendez, je lag. 100 000 unités. Ah c'est crédité automatiquement. Bon écoutez, ça se prend. L'estime que vous porte la race. Putain, et j'ai du mal hein. Ça lag à mort. Voilà, c'est en fait fauteur de troupes, vaisseau détruit 20. D'accord, j'ai atteint l'objectif. Trop de vitesse. Ouais. Je suis quelqu'un de beaucoup trop rapide. 2 sur 9. Nouveau rang. Hop, bam. Est-ce que la planète est jolie? Elle m'a l'air pas trop dégueu en vrai. Ouais. On va se mettre pas trop un peu de bloc. On va. Voilà. On va essayer de trouver des animaux. J'ai les animaux. Toi tu te butes là. Voilà, donc on a la planète. Qu'est-ce que tu proposais Eve tout à l'heure? Vulve, je sais plus trop quoi. Je le vois plus affiché. Les 4 FPS, clairement. Le son du jeu baisse, il lag. Ouais, là c'est bon, là normalement c'est revenu. Attendez, il a pas découvert la planète? Attendez, elle est où ma planète? Ici, là. C'est quoi ça? Nazak? Découvert par machin. Et découvert par Viking Size. On va la renommer. C'est Vaginarium. Puis là, je suis en clavier QWERTY en plus. J'ai pas refait mes touches et je me suis habitué au QWERTY. Hop. Et voilà. Donc là, c'est moi qui l'ai découvert. Mais c'est bien là que je suis. Hein. Ouais. Observer. C'est quoi ça, observer? Consulter les informations disponibles. J'ai rien découvert. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut voir des trucs d'ici? Ça là, un caillou. C'est cool de scanner les cailloux. Elle s'appelle Cafétine. Et ça là, ça c'est un gros champignon. Ça marche pas? Là, il y a un arbre. Voilà. Voilà de la végétation. Artefact extraterrestre. On va aller direct à artefact extraterrestre là. On va pas se casser le cul. C'est à nous apprendre un mot. Un mot dans une langue étrangère. Et c'est toujours intéressant. Ah ouais, argument de vente. Ah ouais, ouais, putaclic. Hop. Non, pourquoi il me met ça lui? Il y a sûrement d'autres plantes là-bas à scanner. C'est tout? Ah, oui, il y a plein de trucs. Attendez, on va peut-être aller dans l'eau en premier. Il y a peut-être des espèces. Que tu es tombé à côté de l'eau. Je suis tombé à côté de l'eau. Bah oui. Allez, c'est parti. On va scanner. Là. Je suis trop loin. Et on avance. Allez, scan. Nickel, vas-y, allez. Hop, un petit poisson. Les petits poissons. Et là, il y en a d'autres. Pas trop loin. Ici, là. Allez, scanne-moi ça. Nickel, c'est moche. Il y a des trucs à scanner ailleurs. C'est quoi ça? Cristal de sulfure. Dépôt de cuivre. Vous avez vu, c'est beau, hein. Ah, le jetpack fonctionne sous l'eau. Extraterrestre. On est là-bas.
Fais-nous comme si tu étais qui fait la pub pour 24. Non. Je suis déjà pas vendeur moi. Alors, on va système de survie, de l'oxygène. Il va me falloir de l'oxygène. Il n'y a aucune planète où tu peux respirer. C'est quoi ce cri? Il y a des oiseaux, je pense. C'est pas des oiseaux, c'est ça. On va le scanner. Alors je joue à percher, mais non. Pourquoi faire? Attendez, j'ai tout scanné? Ah non, il y a d'autres types d'animaux. Ah très bien. D'accord. C'est deux différents, mais c'est les mêmes. C'est à la fois les mêmes et pas la même chose. Je cherche une guerre, mais je vais pas trop. Alors ça, c'est des trucs qui vont taper. Fleur dangereuse, voilà. J'en avais pas. Jean-Michel Commerçant, ouais. Achetez No Man's Sky, vous jouerez avec moi. On essaiera de se trouver dans l'univers infini. Est-ce que c'est vendeur? On deviendra copains. Non, mais en vrai, je pense que le jeu, là je joue en... Parce que je le stream en même temps. Hop. Donc du coup, je peux pas faire beaucoup mieux. Mais je pense que vous voyez un petit peu le potentiel du jeu. Il y a un truc de quête. Alors, est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est mon ami? Ça lag de ouf. Ah ouais? J'ai appris le mot ami. Tu veux être mon ami? C'est quoi ça? Machine endommagée. Celle-là, on va aller le chercher. Et puis on continue comme ça. Ça c'est truc dangereux ça. Regardez là, encore une fois les découvertes que je fais. On a découvert pas mal d'animaux. Hop hop, on va tout envoyer. Gagner un peu de thunes. Pardon. Ça par contre, truc de transmission là. 32e Adnanitz, ok. Je sais pas si c'est beaucoup, mais il y a rien à choper sous l'eau. Je pense qu'il va me falloir ça. Au bout d'un moment là, ça va commencer à être un poil vital. Je sais pas trop si l'oxygène c'est vital. Je joke. Je fais des blagues bien évidemment. Parce que je suis un guéluron. Voilà. J'ai pas gagné de cailloux ici encore. On dit comment ami, du coup, je sais pas. J'ai appris le mot ami, c'est tout. De toute façon, c'est des suites de lettres totalement random. Là. Ça là. C'est déjà scanné? On peut monter. On va monter. Est-ce qu'on peut? Ou alors, c'est la gueule. Oui! Oh! Mais non! Jeu de merde! Pardon, achetez-le. Je pouvais monter dessus, c'est quoi ce... Je me suis encore pris un coup. J'ai appris le mot désespoir. Je me suis pris un coup. Tout à l'heure, on est d'accord, je perds de la vie, je me prends des coups, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que j'ai une sorte de dictionnaire, tiens? Effectivement, ça peut être intéressant. Dans le... pas journal, étape clé. Là, on apprend pas mal de trucs. Ici... J'aimerais bien avoir un dictionnaire. Total 9 mots appris. Alors, on est... Est-ce que je suis le mieux? Ah, c'est les mots appris qui montent là. 4 sur 5. Donc là, on peut apprendre d'autres mots. On a vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de trucs ici. Je peux plus clip. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette planète? Alors, du sodium, de l'hydrogène. Hydrogène, sodium. Pour l'instant, il y a de bien ouf. C'est ça que je veux. Celui-là, je l'ai déjà... What the fuck? C'est quoi, ça? À mon avis, il devrait être dans l'eau. C'est quoi, ces trucs? Est-ce que je peux leur donner à manger? Il y a des trucs où on peut leur donner à manger. Nourrir.
Et il est content. C'est mon ami. Ah, c'est trop chelou. Il devrait être dans l'eau. Hein. Attendez, je les regarde. Ah, c'est bizarre. Bon, ça... c'est quoi? Dépôt de paraffinium. Ah, il y a encore un truc dans l'eau. Je vais garder là. Ici, là. Je vais aller découvrir une nouvelle espèce. Bim. Alors. Où es-tu? À mon avis, tu es là. Non. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à les voir. Ah, des petits crabes. Ok. C'est des petits crabes. On va mourir. Ah, j'ai pas de carbone, donc je vais pas y mourir. Et là, toujours des trucs chelous, là. Et ça, là. Putain, encore une espèce. J'en découvre rarement autant en peu de temps. Et j'ai toujours pas découvert d'espèce d'oiseau. Il doit y en avoir, c'est sûr. Et regardez, là, y a pas le robot. Bim. Voilà, je l'ai tué. Voilà, il est mort. Voilà, vous êtes content? Alors, artefact, celui-là je l'ai déjà ouvert. Il y en avait d'autres. Ici, là. Combien de distance? Il est pas loin. Ok, on va y aller. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Qu'il y a d'autres espèces à découvrir, d'autres trucs. Je vais regarder parce que j'ai découvert pas mal de choses. Il y a des vaisseaux qui passent au-dessus. Des fois, il y a des joueurs. Les joueurs peuvent passer. Ah. Attendez, on va le découvrir. Un peu bugué le truc. Hein. Quoi? Mais il est sérieux, lui? Il m'a tapé. C'est la première fois que je me fais attaquer comme ça, random. Peut-être parce que j'ai tué un animal? Tiens, vas-y, je vais te découvrir. Voilà. Putain, il est sérieux le truc. Je me suis fait un ennemi, quoi. Allez, on monte. Hop. Y'a rien ici. Animal bugué. Exactement. Il y avait un truc à découvrir. L'arbre là, peut-être. Il avait commencé à scan un truc. La sentinelle, elle a pas vu que j'avais attaqué. Qu'est-ce qu'il avait? Dangereuse. Qu'est-ce qu'il scannait? J'ai pas vu. Tant pis, on va aller à l'artefact extraterrestre. On va continuer notre périple. C'est la police des animaux. Exactement. Ah! On va découvrir ça. C'est quoi? La ferrite hyper un peu jeune. La poussière de ferrite paraffinée. Un peu de poussière de ferrite. Où est-ce qu'il est l'artefact? Putain, je vais me faire détester sur cette planète. C'est peut-être un que j'ai déjà découvert en fait, puisque je me rapproche. Non, c'est bon. Si, j'avais déjà découvert. Okay. Pierre de savoir. Ah non. Oxyde en geek. Vic, il fait fuck the police. Ça là, il me le faut. Oxygène. Alors, les oiseaux là. Vous allez pas me dire qu'il n'y a pas d'oiseaux sur cette planète. On va envoyer les découvertes. Parce que ça me plaît. Parce que ça me donne l'impression de faire des trucs intéressants. D'être important aux yeux de la commu. La commu, la vraie commu. Je sais pas, je suis fatigué putain les gars. Hop. Ensuite, où est-ce que t'es? On va en chercher un autre. Hop. Celui-là, je l'ai déjà découvert, non? Il est vraiment à côté du vaisseau, donc... À moins que je sois parti dans l'autre sens. Je sais pas s'ils apparaissent d'une autre couleur, je connais pas encore assez. Lac. Salut Friki! On est dans l'espace encore. J'appelle le mot faible. Ça. Putain, il y a énormément de... d'espèces, mais aucun oiseau. Pourquoi il n'y a pas d'oiseau? C'est quoi ça là-bas?
Vous voyez dans les airs là-bas? On peut pas zoomer, j'ai pas de... C'est peut-être des vaisseaux. C'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a des trucs dans l'eau? Il me le mettrait. Parce que j'ai vu un truc là, ça c'est quoi? Palourde blindée. Je sais pas ce que c'est une palourde blindée. Casse le robot. Non. Toi, Trollal, t'es le genre à aller voir tes potes et leur dire vas-y, fais de la merde et puis rigoler dans leur dos quand ils se font engueuler, non? Alors. Palourde blindée. Déjà, on va canner un caillou. Si. Je le savais. Alors. Palourde blindée. C'est quoi une palourde blindée? C'est quoi ça? Œuf? Non, on va pas toucher aux œufs. À mon avis, c'est un truc qu'il faut pas toucher. Ah! C'est quoi ça? On lui fait quelques dégâts. Est-ce que je peux changer d'arme? Non, ça sert à rien. Le lance-foudre. Pas de munitions, putain. Tant pis, allez, on se casse. Je m'en fous de la palourde blindée. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu des moules blindées, mais des palourdes. Comment ça va, Friki? C'est quoi ça? On va scanner un petit peu les environs. Qu'est-ce qui est apparu? Ça, on va le prendre. Je crois que j'ai plus d'emplacement, mais... J'ai encore vu des trucs à scanner. Mais quoi? Aucun emplacement libre. Système de survie à 50%, on s'en fout. Hop. Louf. Il n'y a rien à scanner ici. Il n'y a rien sous l'eau à scanner en fait, je crois. Hop. C'est original. Tout à fait. Tout à fait. Alors. Ah. Alors, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça en fait qu'on voit depuis tout à l'heure. Je ne fais que scanner un robot de merde. Ces trucs là, c'est vraiment moche. Est-ce qu'il y a des oiseaux? Ça, c'est déjà bon. C'est bon. Normalement, c'est des points rouges. Là, il y a une cargaison. Un dépôt de cuivre, tout ça. Pour l'instant, c'est bon. J'ai déjà tout découvert, mais toujours pas d'oiseaux. Ça paraît bizarre qu'il n'y ait pas d'oiseaux en vrai. Putain, il y a du monde ici. Alors, qu'est-ce que je voulais déjà? J'avais vu un truc bleu. Je suis perdu. Là. Non, c'est pas un truc bleu, c'est ça. Hop. Oui, c'est un truc bleu quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire? Punium. Il me faut du punium. Comment on a du punium? Et déjà, ça là. On va chercher. Inventaire plein. Qu'est-ce qu'on a d'inutile? Je sais pas ce que c'est le radon. Se trouve dans les atmosphères radioactives. Allez, ça dégage. On va faire un peu de place du chlore. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Métal chromatique, ça on s'en fout. Défonce le robot. Merci Salt pour la petite commande. Tiens, il fait nuit. Gel de survie. Ok, donc ça c'est bon. Gel de, du sodium. Du sodium. Du sodium. Non, des projectiles d'armement. Et ici, du coup, il me fallait du punium. Qu'est-ce que c'est que du punium? Je sais pas ce que c'est du punium. À mon avis, j'ai plutôt devoir aller voir dans les étapes clés. Non, c'est le guide. Est-ce que c'est une matière première? Je le vois. Ici, il est là. Punium. C'est liquide, huileux. Et déconcertant. Ah putain! Pour avoir du punium, il va falloir que je démonte un robot. Get ta poussière de ferrite. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il va falloir que je casse un robot. C'est dans les sentinelles. Et les sentinelles, c'est ces petites putes là qui valent au-dessus de moi. Le problème, c'est que mon vaisseau est loin. Je vais l'appeler.
Et ensuite, je me casse du vaisseau. Appelé véhicule. Le V-ship. V-ship size. Je peux l'appeler. Ouais, hop, allez, viens ici. Il va falloir que je change de système solaire, puisque j'ai plus rien à foutre ici. Pour changer de système solaire, pardon, il va me falloir une cellule de distorsion qui est ici. Alors pourquoi j'en avais déjà une en fait. Donc je vais pouvoir changer de système solaire. Ah 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 ah. Qu'est-ce à dire que ceci? T'as encore des animaux? Il y en a. Hein. Il y en a beaucoup ici. Hein. Il y a un à scanner en plus. Le son du jeu a planté. Okay. Il va casser un robot. T'es heureux, hein. Alors. En fait, il va falloir que j'aille vite. J'ai scanné. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs importants à faire pour moi? Ça, je vais faire ça d'abord. L'artefact extraterrestre. Et ensuite, je reviens là et puis. Faut que j'apprenne des mots dans d'autres langues. Donc, c'est important. Et je vais recharger mon lance-foudre. Hop. Il va casser mon pied. Tu dois vraiment être content. De savoir. Peu commun. J'ai appris le mot peu commun. Il est là. Non, non, non. Pourquoi. Ta tête de bite. Ouais bah pleure pas, c'est toi qui es venu hein. M'en fous moi. Je t'ai rien demandé hein. Y'a toujours rien à scanner. Pas d'oiseau. La sentinelle est là. C'est ça? Non, c'est une fleur dangereuse, c'est pas une sentinelle. Est-ce qu'il y a autre chose d'important ici dans le coin? Là-bas. On va aller voir un petit peu tout ce qu'on peut avoir. LV2 Simulator, exact. Si c'était facile, on promènerait dans la forêt et puis on apprendrait des mots. Ok, y'a rien. On va couper des trucs. C'est quoi des munitions en général? Il est endommagé par du métal rouillé. On va le mettre dans le cargo qui est à côté, comme ça, ça nous casse pas les couilles sur nous. Santé au maximum. Conteneur endommagé. Inventaire plein. Qu'est-ce que je peux envoyer? Donner une navigation. Dans un scanner de signaux. Ah. Non, je l'ai jeté. Je voulais le mettre dans mon cargo. Tant pis. J'ai de la gelée de dihydrogène. Et là, il y a quoi? Passe Atlas V1. C'est vrai que je devais faire un passe Atlas V1. C'est où déjà? Non. Combinaison. Je sais plus où c'est. Cargo. Non. Vaisseau. Général. Je sais plus où c'est. Il y a un emplacement vide. Modifié, il y a rien du tout. Je sais plus où c'est. GG. Merci. Merci, merci. Bon, écoutez. On peut changer de système solaire. Donc, j'ai niqué de la végétation. Métal non identifié. Minerai non identifié. Ok, on va identifier. Et puis on va attendre qu'il y ait un truc qui apparaisse là. Oh, et peut-être que ça servira à rien quelque part. Hein. X pour ouvrir la carte galactique. Ouais, il va falloir que je suive le chemin de l'Atlas. Après. Les sentinelles. Ok, m'en fous. Alors, c'est quoi ça là-bas? C'est quoi ce truc? Sentinelle, où es-tu? Il n'y a plus sentinelle du tout. Peut-être pas la nuit en fait. Bon écoutez, venez, on s'en bat les couilles. Allez, tant pis pour ce qu'il y a dans le coffre. Hop, on se casse. Hop, je vais aller dans mon cargo. Est-ce que j'ai des trucs à faire dans le cargo? Ouais. Pas de vaisseau, gars.
C'est quoi ça? C'est une station spatiale. Je vais à la station spatiale. Hop, on dépêche. On se dépêche, on se dépêche. On va voir s'il y a une autre planète ou une lune ici. Et ensuite, on va l'explorer, ensuite on se casse. On a une cellule de distorsion, donc on peut très bien partir. Là, on va essayer de voir si on peut apprendre des mots en plus. On va regarder les quêtes aussi tout de suite. Journal des quêtes, chemin de l'Atlas. L'anomalie spatiale, il faut que je l'appelle. Il faudra que j'y pense. L'estime que vous porte les formes de vie extraterrestres. Donc là, en fait, c'est plus ou moins ce que je suis en train de faire. Attendez, c'est quoi? Pour apprendre plus sur les façons d'améliorer l'estime. Ouais. Mais là, on va apprendre des trucs. On va apprendre des trucs. Hop, on se casse. Point de restauration, ça sauvegarde dès qu'on sort du vaisseau. Là, on va parler, améliorer notre estime, apprendre quelques mots si possible. Bah tiens, voilà. Ami désespoir, vous voyez pas, mais c'est vert. Et il y a le mot geek là-bas, donc j'ai appris le mot geek en geek. Et au fur et à mesure, on va comprendre ce qu'ils vont dire. L'air se charge d'une effluve nauséabonde autour de la créature aviforme. Remercie avec du métal. La créature essuie ses mains vides et me sourit. Qu'est-ce qu'on fait? 15 poussières de ferrite? Allez. Il me remercie avec une offrande généreuse. Qu'est-ce qu'il m'offre? Des amas de nanites. Ok, donc ça c'est pour acheter des trucs. Donc là, Stargate est là. Il n'y en a pas là. Hop. Il y a un petit groupement ici. On va leur parler aussi. Il faut que j'augmente d'estime. L'odeur du marchand est aussi agréable quand tétante, contrairement à l'autre. Son regard empreint de fierté. Demandez de l'aide. On va demander de l'aide. Hop, il va m'apprendre un mot dans sa langue. J'ai appris le mot langue. Yes, tu te casses, tu donnes rien. Non, je garde tout pour moi. Demandez le chemin. Non, le chemin c'est pour des missions, des quêtes et tout ça. Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il a à me dire? Il s'appelle Ma. Désagréable, ils parlent beaucoup de leur odeur. On va demander un mot aussi. J'ai appris le mot attention. Nickel, on apprend des mots. Est-ce qu'il y avait autre chose? Offrir un présent, troquer 200 carbone condensé, on n'a rien d'autre. Lui. Bolu. Lui donner une tape. Oula, alors là, quoi faire? Le geek paraît ne plus avoir la moindre énergie. Il est plongé dans la plus terrible léthargie. Il peut à peine se traîner pour examiner sa montre personnelle. Lui donner une tape avec compassion, lui donner une claque. Voilà, il sait pas comment réagir. On va lui reparler, je lui donne une claque. Je lui donne une tape avec compassion. Il sourit exténué, mais je crains d'avoir fait qu'accroître sa fatigue. Non, j'ai pas fait descendre. J'avais peur de faire descendre l'estime que me portent les geeks, mais non. Un petit filet de bave scintille dans les rayons de l'éclairage d'installation. Défonce-le, on peut pas. Qu'est-ce qu'on donne en fait? 10 unités. Je crois avoir 10 unités, donc ça me dérange pas. J'apprends des mots. J'appelle le mot abomination. Donc, je vais pouvoir les décrire dans leur propre langue. Alors, observer. Oula, observer en silence. J'observe pendant un moment de comprendre. Ouais, non. J'ai lu, j'ai pas lu en fait ce qu'il fallait faire. Bref. On va lire. Ah, il connaît le mot ami. C'est écrit à peu près là. Ici, vous voyez pas. Il m'examine avant de lâcher une série d'odeurs inhabituelles. Donc très concrètement, dès que je parle au geek, il pète. Chacune produisant de nouvelles sensations étranges, je peux sentir des odeurs de peur, d'amour, de couleur jaune. Le clair du sommeil, puis cela prend fin. Le geek s'en fière. Je vais en demander plus, hein. Il paraît ravi, mais il est épuisé par sa démonstration. Vas-y, repose-toi, il n'y a pas de problème. C'est pas lui, j'ai parlé. Demandez plus. Si c'était lui.
Ok. Y a rien de plus intéressant à faire? Lui, on lui a pas parlé. Lodern est aussi agréable quand il tente de demander de l'aide avec le dialecte. C'est tout ce qu'on veut. Il m'apprend encore un mot dans sa langue. Le mot vaisseau. Le mot vaisseau spatial, exactement. Ok, et lui... Vas-y, encore un mot, s'il te plaît. Le marchand fait claquer son bec. Demander de l'aide. Très bien. J'ai appris le mot marchand. C'est là, vous voyez, en, tout à droite, j'ai une quête pour faire la même chose, mais avec les Corvax. Du coup, j'en suis où, là, avec les geeks? Estime, mot appris, 17. 7 sur 40. Ah oui, en fait, j'ai rien du tout. Mission accomplie, 0 sur 3. 1 sur 3, progression. Ah, système visité. Ah oui, d'accord, ok. 2 sur 3. Ça marche. Bon, bah là, c'est plus ou moins le hasard, il me semble. Je vais aller voir là-dedans. État de voyage atteinte, quoi. J'ai marché assez de pas. Est-ce qu'on peut voler des trucs? Extraterrestre rencontré, 60. Ok, donc on s'en bat les couilles. Mon inventaire est plein. Qu'est-ce que je peux dégager? J'ai un de carbone. Attendez, est-ce que je peux plutôt l'envoyer X, transfert rapide? Ah non. Paraffinium, je vais le mettre dans le cargo, ça. Hop, voilà, j'ai de la place dans l'inventaire. Du sel. Ok. On chope du sel. Du dihydrogène. J'en ai eu un, deux, trois. C'est quoi sur la télé? On peut rien voir? Non. Et du cobalt. Nickel. On va aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui parler? Lui là, il a envie de me parler. Une quête à travers les étoiles paraît noble, mais qu'est-ce qui la rend meilleure que les tâches offertes ici? Donc lui, il va me donner des quêtes. On va voir les missions. T'as pas déjà assez de sel? Si. Là, j'ai 1553 mananites. Et eux, ils me proposent... Tuer 8 sentinelles. Rapporter un objet en particulier... Pied, un extracteur troupeau goinfre. Nourrissez 4 créatures. Ce qui indique d'aller sur la planète en fait. Récupérer une personne disparue. En noyau fusion. Pff, allez, on s'en fout. Faut équilibrer avec du poivre. Exactement. Trop lol. Conseiller en cuisine professionnelle. Trop lol Edgebest. On va t'appeler. Et crois-moi, tu commences à me connaître. Quand je dis un truc, ça reste. Est-ce qu'on peut piller tout ça, non? Je sais pas, non, c'est juste des caisses. Y a pas un connard là à qui parlait? Marchand de technologie. Ah oui, y a ça là. Amélioration de la combinaison. Bonjour. Bonjour d'un nouveau sur le jeu. Bah, retour d'un bonjour d'un nouveau aussi. Sur le jeu, je suis aussi nouveau. Améliorer... Attendez, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fait de la merde. J'ai 13h exactement là, 13h30 de jeu. Avec une sauce crème, à la crème c'est parfait. Comment ça va DCPC007? Sois bienvenue, je fais pas mal de streams, j'ai fait mes 13h, je joue qu'en stream à No Man's Sky pour partager avec vous. N'hésite pas à suivre tout ça si t'as envie de progresser avec nous, de partager. Améliorer l'exocombinaison. Voilà, j'ai amélioré, donc en fait j'ai eu un exemple, un emplacement en plus. Un peu moins. Bah tu vois, on est pas si loin que ça. Donc on a sûrement des trucs à s'apprendre mutuellement. Des plans d'amélioration de vaisseau. C'est un petit peu ce que je voulais en fait. Acheter, échanger. Attends. Elle me renifle. Oh putain, ils ont des problèmes avec les odeurs ceux-là. Elle se met à sautiller. Acheter des modules d'amélioration. Qu'est-ce qu'on peut acheter en fait? Est-ce que ça va, en fait, c'est bon. Un module système de survie. Plus 0,5%. On va améliorer ça. Acheter. Voilà. Module protection, toxicité. Je vais l'acheter aussi, j'ai de la thune. Ah merde. Module système de survie, tout ça. Ok. Bon, je vais pas faire beaucoup de commerce. Hein. Je voulais vraiment voir ce qu'il y avait ici. On va aller voir s'il y avait une autre planète dans le système solaire. Oui, j'ai pas eu ça. De quoi? 8 carins pour un jeu.
Ah non, c'est simple, il y a beaucoup de choses à voir au début. Ouais, mais t'es beaucoup aidé au début en fait, donc ça va. Il faut que j'aille voir mon cargo. Ça, j'ai du mal, hein. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais. Mon cargo, il est derrière. Hop. Juste. C'est quoi, c'est ça mon cargo? Votre vaisseau amiral, il est derrière l'Atlas. Ah, je vais tout me prendre. Si vous ne connaissez pas, je me prends tout dans la gueule, tout le temps. J'ai perdu mon vaisseau en plus. Ici. Mon vaisseau amiral est derrière. Mon vaisseau cargo. Et je dois donner des quêtes en plus. Hop, c'est Tipa. Il est là. Coucou ma beauté. Par contre, j'ai trouvé un super gros vaisseau abandonné que je commence à réparer. T'as trouvé un vaisseau abandonné? Comment ça? Je connais pas encore tout du jeu, donc là, tu peux m'apprendre un truc. Je suis perdu, je sais plus comment rentrer dans mon vaisseau. On va prendre un peu d'altitude. Ça, c'est quoi, là? Ça, c'est un vaisseau de... On s'en fout. Voilà, c'est ici. Ouais, je passe à travers les rochers. Une navette abîmée, un peu comme celle que tu as là. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, ça, c'est mon vaisseau amiral, c'est mon vaisseau cargo. Hop, attends, c'est ici. Ici, mon cargo. Très bien classé. Voilà, ça, c'est mon cargo. Tu sais pas ouvrir une porte. Non, maintenant, je suis trop con. Hop. Allez, on va aller voir un petit peu les quêtes. C'est quoi ça? Pud, capitaine. Ah oui, c'est le capitaine. Il s'appelle Pud. Est-ce qu'on a un truc ici? Poste de commandant de la flotte, normalement tout est rentré, aucune expédition. Partir. J'avais réparé le vaisseau la dernière fois et je pense que je l'ai pas envoyé en mission. C'était partir. C'est parti. T'as pas de cargo, tu vas en avoir un de toute façon dans pas très longtemps. Alors, la dernière fois, mon vaisseau s'est fait péter deux fois. On va faire un petit truc expédition classique, voyage découverte, voilà. 1h30, 4h30, difficulté. On va faire ça. On va l'envoyer. Assigner un vaisseau pour expédition. Celui-là, c'est un vaisseau commercial, donc ça va. Équipé de modules d'amélioration, on n'a rien du tout. Carburant 50 tonnes. J'ai pas ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui bloque? Carburant 50 tonnes. Je sais pas ce qui bloque. Tuer deux marcheurs. Offre de mission. Tuer deux marcheurs sentinelles. Deux marcheurs sentinelles. On a des missions ici, ouais, mais moi je veux juste me casser en fait. Ouais, il va juste me dire qu'il est fatigué. Bon, écoutez, on se casse. Salut Kalgan, comment ça va? Hop, hop. Mais inventaire plein, ouais. C'est chiant à gérer les inventaires. T'as des trucs inutiles pour le début, tu peux peut-être te virer direct. Ça sent cool les missions. Ouais, ouais, ça, c'est cool. Mais là pour l'instant. Putain le con, j'ai tiré, j'ai misclic, je voulais pas faire ça en fait. Carte galactique. Pourquoi? Ah oui, je suis trop près. Non, je me casse. Perturbation ennemi local. Ah putain. Je suis trop con, j'ai tiré dessus. Il me suit? Ah oui, tant pis. Bon, par contre, l'estime d'une race va baisser. Putain, je galère. Le mec avait rien demandé, il voulait juste rentrer dans mon vaisseau cargo. C'était mon vaisseau! Je suis pas allé sur la planète derrière, là, l'espèce de lune. Alors, j'ai baissé l'estime, voilà. Hop, ça là, c'est pas visité, planète inconnue.
On va aller la voir déjà. Ah putain. Communication d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Fight, yes. Tu as de la chance étranger, nous offrons notre protection voyageurs. Il paraît... Attends, après tout ce système est dangereux, il paraît qu'il est infesté. Je vais obtempérer, vous savez quoi? Voilà, on est protégé par les geeks. Donc là je peux me casser mais il y a une planète ici donc je vais aller la visiter. Mes recherches sur la mine qui reste vide alors que... Qui reste visible alors que... Ah oui d'accord ok. C'est pénible pour chercher une murée. Bon courage, je connais ça. Bon courage à toi. A bientôt. Voilà, cette planète je m'en bats les couilles. On est d'accord. Entrer pour cette planète, t'as déjà découvert quelqu'un. Il me semble. On va poser. Attends, il faut vérifier un petit peu ce que je dis. Voilà, cette planète a été découverte par Hippocrate. Hippocrate, comment ? Il y a plus de palpit dessus. On va tenir un petit peu. Nouvelle découverte. De quoi? Système. Attendez, parce que. Hop. On va changer d'arme. On peut pas. Ah, c'est long ça. Non, c'est de la merde. Lance-foot, j'ai rien du tout. Ça fait rien du tout. Attendez, je suis en train de chercher une arme là. Rayon d'extraction, c'est ça qui, que je veux. C'est pas chargé. Ah, tu con. Voilà. Recharger. Tire. Mais. Mais. Ah putain, ouais, en fait, j'ai rien du tout. Oh, je me casse, tant pis. Allez, on se casse. Ah donc, il y a bien une base de noms communs. Oui. Oui, oui, tout ça là, c'est commun. Tout ça là, les planètes et tout ça là. Les rouges, c'est celles que j'ai pas découvertes. Mais pourquoi c'est... Pourquoi c'était marqué que c'était découvert par quelqu'un d'autre? Tant pis. On change de temps. On va se casser. On va aller pour le cas arctique. On se casse dans le chaveau système solaire. Oh putain! Ça c'est découvert, ça c'est ma planète. Les vaisseaux des autorités en approche. Je peux pas partir. C'est quoi ça? Là par contre c'est les autorités. Hop, allez tiens. Prends ton sort dans le cul. J'aimerais bien partir en vrai. J'ai pas envie de me battre quoi. Pulse au réacteur désactivé, bah ouais. T'es juste au-dessus. On vient ici. Je sais pas pourquoi c'est x2 à ce moment-là, mais. Désactivé. Putain, ça craint. Putain, j'ai rien demandé, moi. Ouais. Oh non, pas la surchauffe. C'est bon. Carte galactique, allez on va essayer de se casser. Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a à faire en fait? Votre vaisseau amiral est ici, attendez on s'en fout. Alors, je vais juste me balader, je suis où? Station Atlas.
Du coup, je suis là, moi. Non, je suis pas là. Hyperpropulsion, on n'a pas de carburant. Votre vaisseau est ici. Faudrait que j'aille là, en fait. Est-ce qu'il faut que je charge? Recharge l'équipement, hyperpropulsion, ouais. Attendez, j'essaie de me casser. Ah putain. Et en plus ils sont deux. Ok. Non mais là je peux rien faire. Je vais me barrer dans mon vaisseau amiral, me cacher. Il doit être super loin en plus. Non, peut-être pas tant que ça, j'étais pas loin en fait. Un peu de tritium. En route. Pendant qu'ils sont en train de me chercher, les autres. Hop, hop. Arrivé dans 15 minutes. Bon bah j'ai pas le choix, hein. On va se taper. Et il va falloir que je recharge vite mon hyperpropulsion. Et que je me casse. Je sens que j'ai pas suivi longtemps là. Voilà, j'ai remis mon bouclier. Ah, c'est casse-couille! Et je peux pas appeler les geeks là, ils devaient me protéger. Hein. On essaie de recharger son bouclier au fur et à mesure. Mais j'ai pas envie de me battre en fait, ça me fait chier. J'espère ne pas perdre, je sais pas comment ça va marcher. Dégâts critiques reçus, oui, mais foutez-moi la paix. Quelque part, quelque chose d'incroyable attend d'être connu. Oui, bah merci. Décès par attaque vaisseau sentiel. Mais j'avais rien demandé en fait, donc vous êtes gentil, mais foutez-moi la paix, tout simplement. Mais j'avais une cellule de distorsion tout à l'heure, c'est quoi ce vaisseau? Ah oui, j'ai plus rien, il va falloir que j'y retourne. J'avais une cellule... Ah, j'avais... Non, j'avais juste un contenant d'antimatière. Carbone condensé. J'allais sur la planète. J'ai déjà récupéré. Je crois qu'il faut que j'aille récupérer mes affaires. Sur mon cadavre. C'est où? Est-ce que je peux voir où est mon vaisseau en fait? Où est-ce que j'étais? J'étais plus loin. Normalement, je peux aller récupérer mes affaires. C'est quoi cette interface Atlas? On s'en fout. Là, qu'est-ce qu'il me montre? J'étais plus loin, j'étais plus loin, j'étais par là. Si vous savez comment faire... Là-bas, là, vert, c'est quoi le vert? Il y avait un truc vert sur mon radar. Non. Ah putain, faut que j'arrête de miscliquer comme ça, c'est horrible. Frégate à recruter. Ah non, c'est pas ça, son frégate à recruter. Mais mon vaisseau est où? C'est quoi ça? Tombe. Il y a une tombe, on va y aller. J'essaie de creuser super large autour du dépôt de cuivre, il reste quand même sur la carte. C'est bizarre. C'est bizarre, t'as un bug et t'as relancé le jeu. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais... La tombe, c'est ma tombe. Je sais pas comment ça se passe quand on meurt. C'est peut-être ça, hein. À mon avis, oui. Où est-ce que c'est? Je
Je suis passé large à côté. Alors, restauration d'inventaire perdu. C'est fort gentil. Bon bah maintenant du coup je vais aller sur la planète. En essayant de pas me faire Vagonarium, je l'ai appelé. Je me suis planté Lazare tout à l'heure. Quand tu meurs, tu peux récupérer ton matos sur une pierre là où t'es mort. Ouais bah du coup je viens de le récupérer. C'est quoi ce truc là? C'est là. Comptoir commercial et là-bas. Ça aussi. Bâtiment abandonné. On va aller dans le bâtiment abandonné, tiens. Et ensuite on va faire de l'antimatière et puis continuer à voyager. Hop, on n'est pas loin, on va aller droit dessus. Nickel. A priori, faut pas mourir deux fois avant de router. Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est le qui est. Bâtiment inconnu. Bâtiment abandonné. Il y a peut-être des trucs d'apprendre. Et puis ensuite on va faire l'antimatière et puis. On se pose. C'est quand je suis espace et vite, désolé. Je vais essayer d'y remédier, changer mes réglages, j'améliore au fur et à mesure. Et là c'est bon là, j'ai payé hein, mes dettes, les sentinelles là, j'espère qu'elles vont pas m'attaquer. Là c'est tendu du SBET. Non c'est bon, elles vont plus m'attaquer. Je vérifie quand même mais non c'est bon. Allez. C'est quoi tous ces points là? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors. C'est des œufs, c'est ça? Ouais, des œufs. Je touche pas aux œufs, moi. J'ai hâte de donner. Restaurateur de santé. Y'a rien. Sur cette planète, j'ai découvert tellement de choses. Voilà, sentinelle, c'est bon. Mais pas d'oiseaux tout à l'heure. Rien dans les airs. Ça m'a paru assez bizarre. Il y a toujours des oiseaux qui découvrent là. Alors, là ça lag un petit peu par contre. Je le ressens moi-même. J'ai raté la porte d'entrée ou bien c'est quoi? Alors, il y a des missions déjà aussi, où est-ce que j'en suis? Découverte. J'ai pas fait ça. Hop, dans les plantes. Pareil. Ok. Journal. Donc le chemin de l'Atlas. Les graines d'Atlas. Rechercher des interfaces sur la carte galactique. Il faut que j'aille voir le. Interférence là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Perte de paquet. Alors. Ouais, je perds mes paquets assez souvent, ouais. Alors ça ici, terminal inutilisé. On va aller voir un petit peu. Ça, je vais pas le foutre dans l'exocombinaison. Dans le cargo, ce sera très bien. Des résidus visqueux. Ça lag pas dans les menus. Non, oui. C'est uniquement quand je suis dans l'espace ou en vaisseau, quand je vais vite. Journal de bord. Je m'éveille dans un rêve dans lequel je croyais noyer dans une substance épaisse et gélatineuse. Elle bouchait mes pores et m'étouffait. Ok, dans 15 minutes j'arrête de stream trop lol, ce sera Metaloman avec Minecraft que je pourrais avoir. Alors, analyser le journal de bord, son histoire on s'en fout. Quelque chose codé dans les méandres, il a laissé de quoi faciliter mon propre voyage. Des amas de nani, du carbone condensé. Ok, on va aller voir là-bas, je vais me faire attaquer par une plante chelou, vous allez voir. Aïe. Une encyclopédie. J'aime lire les encyclopédies. J'ai appris le mot passion. Pression, pardon. Avant les encyclopédies, je devrais apprendre à lire. Santé. Hop, hop. Bon, y a rien au milieu là, c'est bon. Celle-là, c'est quoi? On peut rien faire. Allez, on se casse. 15 minutes. C'est ton PC de merde, go faire un Tipeee. PC, il va très bien.
D'accord. Bon, bah, écoutez, là, c'est vrai que ça commence à lagouiller un petit peu. C'est quoi ça? Des pots de cuivre, je m'en parle les couilles. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ça! Hop, on va aller voir ça. C'est passé vite. Ouais, bah, j'imagine bien, ouais. Ah, il y a un coffre ici. On va scaler quand même tout. Je sais pas, encore les trucs chelous là de tout à l'heure. Mais non, mais... Je vais encore me faire attaquer par une bestiole. J'ai appris de me choisir, ok. Non mais c'est bon là. J'ai rien demandé moi. Hop. Il y a des coffres. Moi tout ce que je veux c'est les coffres. Dans le cargo. Est-ce qu'il va attaquer si je suis dans le coffre là? Capsule. Il est juste à côté. Dégage. M'en fous. Je m'en fous qu'il n'y ait plus d'emplacement libre. Alors, toujours pas d'oiseau? Non. C'est quoi ça? Palourde. J'en ai marre des palourdes. N'oublie pas pour la clé. Ouais, mais c'est quand même bizarre parce que visiblement tu serais le seul à pas l'avoir reçu. Regarde ton courrier indésirable. T'es passé vite. Ah oui, ah, c'est passé vite, ouais. Bon, j'ai pas compris ce que t'avais dit. En fait, ça c'est des. Et je crois qu'ils vont m'attaquer si si je les attaque ou il y a des bestioles qui vont m'attaquer. Je sais pas à quoi ça sert ça en fait. Aïe. Oh putain. Est-ce que c'est une utilité? Le saut. Carburant insuffisant. Là j'ai pas de carburant pour décoller? Si. Non ça c'est plus sur réacteur, on s'en fout. Propulseur de décollage. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Du coup je suis bloqué dans mon vaisseau pour l'instant. Il me faut ça, plaque métallique. Il me faut donc de la poussière de ferrite, ça souffle facilement. Meurs envahisseur. Salut Meta, mais ils vont vite partir, hein. ils vont dégager. J'ai pas d'uranium. Du coup je vais attendre qu'ils se cassent. Tout simplement. Et aller tabasser un ou deux cailloux. Comment ça va Meta? Je sais pas comment me libérer de ces trucs là. Je sais pas si c'est un intérêt en fait, spécialement. Est-ce qu'ils vont me suivre ou est-ce qu'ils vont se casser? Tue le robot. Mais non, arrête. Ils sont gentils les robots. Allez, montrez-moi que vous savez vous casser. Cassez-vous. Il y en a un qui est devant le vaisseau. Est-ce qu'il dégage au bout d'un moment? En fait, c'est ça la question. Ça va fort bien. Bah écoute, tu m'envoies ravi. Je sais pas si je peux m'en séparer. Tu les vois alors les dinosaures. Alors j'espère que ça suit pas de l'eau. Si putain! Comment s'en débarrasse? Et ça en retrait. Ah. Putain, ça fait peur. Les cons, ils savent nager. Mais ouais, c'est quoi cette idée? On va nager. Quoi? Rester sur Terre. Ouais, ok, donc les seins étaient en retrait, donc quelque part, j'avais pas trop besoin de m'inquiéter, il y avait juste à attendre. Raffinerie portative.
Content antimatière. Ça, j'en ai pas encore eu trop d'utilité. Je peux pas l'enlever. Le sel, je vais le foutre là. Ce qui laisse un emplacement libre pour la poussière de ferrite. Ce qui va me permettre de faire une plaque métallique au bout d'un moment. Et donc, de décoller. Et puis là, je pense qu'on va changer de système. Ah, on va changer de système solaire et puis je vais laisser la place à Metalloman du coup. Hop, hop. On va continuer. Merde, je suis. Non, je vais pas me faire d'ennemis. Moi, je veux juste de la poussière de ferrite. Est-ce que je peux faire ma plaque métallique et tout simplement partir en fait? Ça me plairait bien. Vaisseau hors de portée. Ah oui, du coup, je vais retourner là-bas. Ce sera déjà plus pratique. Alors, on va faire la plaque métallique et puis. Donc, je vais faire attention, on va plus m'attaquer aux. Cette petite bâtard. Qu'est-ce qu'on a d'utile pour l'instant? Je vais mettre ça dans le vaisseau. Voilà. Ce qui va me permettre de faire mon plaquage métallique. Et Rox, c'est quoi ça? Échange commerciaux d'alliage. Ok. Dans le vaisseau toujours. Allez. Ce qui me permet. Ça sert à quoi ça? Je sais pas ce que c'est en fait. Mais bon, c'est pas grave. La plaque métallique, ça me permet de faire du carburant de décollage. Je vais faire le truc là en fait. Nanode. Je sais pas à quoi ça sert. Mais au moins je l'ai. Nanode captif. Attendez, on va essayer de voir dans le guide. Peut-être que c'est marqué en fait. C'est peut-être pour voyager dans des trucs, dans des espaces. Dans lesquels j'aurais pas eu accès. Pour lesquels j'aurais pas eu d'accès. Non, c'est pas là. Hop. Ici. Nanode captif. Alors. Une graine d'atlas contenant un substrat quasi-stellaire localement décalé. Attention, ne laissez pas la matrice associée à cet espace. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai fini une partie de mes devoirs. Nice. Du coup, tu vas pouvoir revenir et puis. Putain, décollage. Mais en fait, j'ai plus de. Plus de distorsion. Non, mais même ça, en fait, je peux pas partir. Je vais rester là. Attendez. Alors. C'est reparti. J'ai un contenant d'antimatière. Pour l'instant, c'est bon. Ce qui va me manquer, c'est de l'antimatière. Je l'ai. C'est quoi ça? Allez, dégage. Du coup, je vais pouvoir faire une cellule distorsion. Et ce qui va me permettre de me casser définitivement. On dit que je vais me victimiser. Ouais, je bégaye. Par des dinos. C'est pas des dinos, c'est des connards. Et on va changer le système solaire. J'ai vu toutes les planètes. M. Non, pas du tout. M en fait, c'est X. Carte galactique. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On est ici. Ouais, donc effectivement, j'avais tout vu. Destination. Pourquoi c'est ma destination ça? Mais non, j'ai pas envie d'aller là. Parce que là, je suis là. Moi, je vais aller. Là. C'est quoi ici? Il y a plein de planètes. Allez, on y va. Nickel. Tu bégayes. 5. Donc là, ça lag, c'est normal. Excusez-moi. On va regarder un petit peu ce qui se passe en espérant que ce soit un système cool. Où il n'y a pas trop de méchants. Où tous les gens sont gentils. On va voir par qui est contrôlé ce système. Les Vikings. Les Vikings, je crois. Puyama Eus. Système. Viking. Je sais pas si ça se prononce comme ça. On s'en fout de ça. Hop, dégage. Ce qui me permet de voir un petit peu ici. On va apprendre des trucs en viking, j'ai une quête. Viking, système visité. Donc voilà, système visité là. J'en ai un en plus. Mission accomplie, j'en ai une à faire. J'ai encore 40 mots à apprendre. Il faut que j'en fasse des grands copains.
Et par contre, dans les... Ici, là. Seul parmi les étoiles. Améliorer l'estime que vous portent les... Donc, c'est les vikings, il faut que j'améliore l'estime. Anomalie spatiale. Est-ce que je peux appeler l'anomalie spatiale? Comment ça marche? Ouais. Elle est là. Je sais pas où, mais... Station spatiale. Bam! Elle est là. On est bien. Bon, là, il y a énormément de planètes. Hein. Le clip du président. Allez, on va aller là-dedans. J'ai à apprendre plein de trucs. Super intéressant, à mon avis, par Polo. Et c'est Tipa. C'est fait. On va aller voir ce qu'il a pour moi. Et j'ai cru voir qu'il y avait des gens pas gentils à mes trousses. Je sais pas si tout en haut là, le fait qu'il y ait plein de vaisseaux affichés. Hop, Polo. C'est toi que je vais voir. Polo spécialiste. Alors, comment s'est passé votre voyage, mon ami? Racontez une histoire merveilleuse, un récit d'action. On va raconter une histoire merveilleuse. Souvenez-vous de ces paysages, mon ami, machin. Un nouvel outil. Alors, qu'est-ce qu'il a, scanner d'économie? Celui-ci permet à l'utilisateur d'accéder aux données économiques détaillées d'un système sans avoir à le visiter. Ok, ça se prend. Peut-être pourriez-vous m'aider avec une nouvelle tâche. Ok, donc là, il va attendre. Trouver des données pour Polo, donc pour l'instant il n'y a rien à faire. Ok. Détruire des vaisseaux pour Polo? Ah si, quand même. Alors Nada, machin. Nada n'est plus seule, Nada est avec Camille Polo maintenant. On s'en fout, t'es un peu folle. C'est une prête Corvax. Elle me pose des questions sur l'univers. Attendez, pour l'instant ça. Chercher le chemin de l'Atlas. Mais je suis déjà en train de le faire en fait. On va demander des ressources. Un cadeau pour m'aider dans mes voyages. Il souhaite seulement mon bonheur. Scanner de conflit. D'accéder aux données de conflit sans avoir à se mettre en danger. Vu comment je joue, ça me paraît plutôt pas mal. 500 amandanites, ok. Et Metaloman, si tu me le permets, je vais juste aller me poser sur une planète. Et puis, puis le stream est à toi. C'est qui part? Quelle est la planète la plus proche? On va scanner déjà tout. Je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Je te permets. Mais de spi. Pardon, je vais faire plus tôt. Je te le permets à moitié. Oh, nous allons aller sur Huldorin. On va se poser là-dessus. Bon, les gens. C'est la fin du stream pour moi. Je vais continuer No Man's Sky la semaine prochaine. Pour le même credo, plus ou moins. Le planning pour demain matin sur la chaîne, n'hésitez pas à follow un petit peu One Night pour avoir le planning. Vous savez, le stream, Tapman va le reprendre, on est une web TV, on est plusieurs. Que des. Et vous allez voir à partir de demain matin, mes streams de planning vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner, aller sur le Discord, vous avez tout en dessous, ou alors à vous abonner à mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, mon Discord. Mon Facebook, je vais envoyer ça voir quand je stream, puisque je stream aussi sur ma perso de temps en temps de No Man's Sky, donc n'hésitez pas, si vous voulez voir la suite, si vous voulez participer avec moi. Tu comprends rien quand tu poses. Ah merde, pardon. Je sais pas ce que vous n'avez pas compris du coup, mais hop, ah oui, du coup c'est buggé puisque j'ai enlevé mon fond vert. Tant pis, on va rester là-dessus. Gros, tu captes pas tes chaises FR. Non, mais c'est quand je suis dans l'espace, ça bug. Bon, allez, je vais laisser la place à Metaloman. Pour du Minecraft, n'hésitez pas à follow un petit peu tout ça pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine et continuer notre exploration. Là, normalement, ça va. Je sais pas, il faudrait que je règle un peu mieux les streams pour No Man's Sky. Un petit peu de musique, parce que on aime bien la musique. En fait, ton micro, il est comme quand t'es... Le quoi? Ça le fait quand t'es pas dans l'espace. Bon, je verrai ça plus tard, du coup. Ça marche. Allez, je vous laisse des bisous, n'hésitez pas. Vous avez les réseaux sociaux dessus pour me suivre et puis pour voir quand je stream du No Man's Sky. Il est là, je vous laisse avec Metaloman.
et, je vérifie avant de dire des conneries, du Minecraft. Restez là, il est beau. Des bisous tout le monde, à la semaine prochaine.